Mais pourquoi est-il aussi méchant? Tous les plus grands tubes dance de l'année sont sur Dance 96. Et paf, ça fait des chocs à pic. Moi je fais mon perso. Vous savez quoi, je le mets en mode Sangat. Sangat, c'est un camp, on parquait un peu les immigrés. Alors plutôt Sangat, mais Sangat un peu, le mec, voilà, il reçoit des fringues, quoi. En général, c'est des vieilles vestes. Ouais, des vieux trucs schlagués comme ça qui donnent. Bon, Renoir. Tong Zouz. À Sangat, il fait un peu froid, on est dans le nord de la France, hein. Let's go! Ça, je joue le rôle d'un... Ouais, c'est bien ça. C'est des PNJ ou... Mais comment là, putain? Je travaille là. C'est quoi ça là, les manières? Ouais, qu'est-ce qu'il y a là, putain? Je dois livrer mon client là, la marchandise. C'est quoi ça? Votre client et la marchandise? Ouais. La marchandise là. Il doit faire le terrassement là, je dois arriver là, putain. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Non, quoi, je vais travailler. Je vais sur le trottoir. Non, monsieur. C'est quoi ça, là? Monsieur, s'il vous plaît, descendez, s'il vous plaît. Monsieur, je dois travailler, pitié. Pitié, c'est quoi ces manières, là? Alors, on a un signalement d'un vol de véhicule qui correspond à votre modèle dans la zone, là. Monsieur, je travaille pour une grande entreprise, Skyver. C'est marqué là, Skyver. Skyver. Putain, d'accord, c'est quoi là, la dernière lettre? Votre carte d'identité, c'est s'il vous plaît. Le R, ouais, c'est ça. Je vais demander votre carte d'identité, s'il vous plaît. Voilà, ouais, c'est bon, merci. C'est bon. Allez, merci, au revoir, c'est gentil, je vais travailler là. J'ai amené mon argent en Afrique pour mon enfant, ma famille, Fatoum. Alors, monsieur, je vois que vous êtes au chômage. C'est un peu problématique parce que soi-disant vous travaillez monsieur, pour l'entreprise monsieur, Skyver. Oui, je travaille, mais on va dire que c'est pas. Je suis en stage là, c'est pas déclaré direct. C'est bon, ouais. Ça passe. Il travaille en noir. Mais comment noir? Tu dis quoi là? Je suis noir là? Bestésier là. Vous travaillez sans contrat de travail. Ah, non, d'accord, monsieur. D'accord. Ça veut dire que vous travaillez toi, sans contrat. Toi, le stagiaire là, t'es mêle pas. J'ai pas la ton supérieur là, putain. C'est pas parler, ne respecte pas les citoyens là. Allez, bon toutou là, rentre dans ton véhicule toi là. Et rentre. Toi, rentre. T'as pas ton mot à dire là, victime. J'ai parlé au collègue, c'est bon, il est calmé. Bah là vous êtes au chômage donc les prestations d'intérimaire malheureusement c'est pas le cas. Pas. Je suis sans travail, j'ai pas de chômage, d'allocation chômage, je touche rien là. Je suis arrivé clandestinement. Mais je l'ai dit là, putain. Oh putain. Se casse. C'est quoi ma... Yeah. Ah, bonjour, bonsoir monsieur là. Oui, c'est quoi là? Oui, il y a quoi là? Mais vous m'expliquez là ce que vous faites? Monsieur, je dois vous avouer là, j'ai pas tous les papiers. J'ai paniqué. D'accord. Bon, vous allez rentrer dans le véhicule de mon collègue, sinon on va devoir vous menotter que vous en êtes mais par monsieur, la force. Monsieur, comment je vais faire ça, donc, je dois appeler le client là. Laissez-moi un appel, j'ai le droit d'appeler un ami. 4, c'est bon là. C'est quoi les gens là qui arrêtent les noirs là? C'est normal ça dans ces villes là? Putain, la tête de ma maman. Toi, tu es le stagiaire. Toi, tu fais le travail sale. Pitié avec ton... Mais non, monsieur, je ne suis pas stagiaire. Je suis comme tout le monde ici. On est tous dégradés, donc non, monsieur. Je ne suis pas stagiaire. C'est malheureux, hein? Ouais, c'est malheureux. Mais permettez-moi de vous dire que vraiment, vous êtes la compétence même. Je suis pas fragile. Tu n'as pas je commence de à donner charisme des coups et à pour m'insulter, ce travail-là. Pas de soucis. Tu as la tête pour faire le pit. Ah, si vous le dites. Et toi, tu as la tête de recharger les trottinettes. Va recharger ma trottinette. Alors, monsieur, si ça commence comme ça, ça va mal se passer, s'il vous plaît. Ça commence quoi, là? Vous faites un délit de faciès parce que je suis noir, là? C'est comme ça? Mais non, monsieur. Oh, arrêtez avec ça. J'ai mon meilleur ami qui est noir, vous inquiétez pas. Mais bien sûr. Non, mais monsieur, je vais être franc avec vous. Je préférerais... Travailler avec des noirs que travailler avec mes collègues qui sont blancs. J'ai un ami qui travaille, il fait éboueur, il s'appelle Mamadou, je connais l'histoire, c'est bon. Allez, ferme ton gueule, putain. Non, il n'est pas éboueur, désolé. Il se passe quoi là? Hein, monsieur, prétend que je suis raciste. Monsieur, il a dit toujours la même travail d'excuses, à chaque fois il dit
J'ai un ami noir, je le crois pas. Il m'a mal parlé, oui. Monsieur l'agent. Vous êtes supérieur, mettez-lui la réprimande. Régularisez. Je veux les papiers. Régularisez-moi. Je suis un honnête travailleur. Vous inquiétez pas, on va régler ça. Je veux la green card. Je veux travailler, monsieur. Mais comment la marchandise s'est foutue, là, putain. Ouais, mais bon, là, vous êtes travaillé dans un véhicule qui vous appartient pas. Vous avez pas de contrat de travail. Mais comment, là? C'est quoi les cellules, là? Je mérite pas, là. Je suis un honnête citoyen travailleur. C'est quoi, ça, là? Non. Ça, je dis non. Allez, j'y vais. Je rentrerai pas. Mets-moi la salle d'interrogatoire comme dans les séries. C'est bien, ça. Bon, OK. On va aller dans la salle d'interrogatoire, si ça peut vous arranger. Oui. Je suis pas les chiens, là, mettre les noirs dans la case. Ngolo dans la case. Attendez, j'ai soif, là. Tu peux donner boisson fraîche, là. Bien. J'ai soif. On va vous donner de la boisson. Entrez. Non, je veux fraîche. Fraîche, là. Fraîche. Fraîche. Ah, elle est cassée, là. C'est de la merde chinoise. Ah, là, c'est cassé, là. Yes, papa, j'ai Ah, bah là, elle est... Ouais. Bon, allez, venez. Je vais vous donner une bouteille d'eau, vous inquiétez pas. J'ai même du jus d'orange. Voilà, ouais. Très bien. Voilà, très bien. Oui, l'orange. C'est bon, ça. J'ai travaillé, j'ai fait les bandages là à Miami là, il faut l'orange. J'ai ramassé l'orange pour faire les jus Tropicana. Ils cherchaient des travailleurs bon marché, monsieur. Après les jus, il est parti dans tous les pays. En France, en Allemagne, Tropicana, c'est partout. Tu connais ça là? Toi, tu abîmes mon jus. Vous avez aucun contrat de travail et vous travaillez soi-disant pour l'entreprise Kyber, c'est ça? Oui, j'ai travaillé chez monsieur Johnson. Il m'a dit, toi le noir là. J'ai dit, ouais, mais comment, moi là? Pitié, c'est toi là qui parle? J'ai la tension. Après, il dit, ouais, le travail. Moi, je vais pas faire le caca, faire la vaisselle, tout là, le travail des femmes. Ça, c'est pourri. Pourri! J'ai dit, j'ai pas le permis. Le permis, il est pas là. Le papier, y'a plus y'a pas. Y'a plus y'a pas le papier. M'a dit, c'est bon, tarif. Tarif avantageux noir. J'ai fait, ok, c'est comment noir? Il n'y a que des noirs dans l'avion ou c'est comment? J'ai fait, d'accord. Je dis, allez, j'ai exigé parce que j'ai dit, c'est cash là. Il n'y a pas à payer les charges. J'ai dit, fais-moi 12 dollars de l'heure. 12 dollars de l'heure? Eh ben. Oui, non. Pas parce qu'il y a fonction roulage. Avec le roulage, c'est-à-dire le camion. Donc, il y a les bonus. Plus tarif de nuit pour pas être grillé la flic, tu vois. Ah donc, ouais, ça a majoré, j'ai majoré le montant, j'ai monté à 21$ de l'heure. C'est bon, c'est bien négocié, non? Ouais. Alors, je vais préférer être honnête avec vous. Ici, le SMIC à l'heure, c'est environ 9000$. Donc, vous êtes fait un peu carotté, je pense. Mais comment? Mais pitié! L'argent, il est où là? Ah, bah là, vous êtes bien fait pigeonner. Mais c'est quoi ces marchandises là? C'est quoi là, les gens? Ils profitent des noirs là? Il n'y avait pas les charges, hein. Ça a fait 14$ au lieu de 9000. Bon, alors, du coup. Putain, naïf que je suis. Naïf. C'est ça, vous me dites. Naïf. Ah bah là, vous êtes bien fait pigeonner, effectivement. C'est gentil, là, la police, comme ça, là. C'est vraiment... T'es gentil. Ouais, mais faut mieux pas que j'appelle mon supérieur, parce que lui, il va être moins gentil, je préfère vous le dire. Vous avez la peau, attendez, là. Ah, tu as les points noirs, là, comme... J'avais ça quand j'étais à Sangat. Ça, il faut mettre la crème. Après, tu vas avoir les pieds secs, hein. Je te l'ai dit. Attendez, là, regardez mes pieds, là, tu vois. Ça, c'est pas les pieds secs. Vous, les blancs, là, c'est quoi la crème que tu mets là? Tu mets Nivea à bébé? Allez, tenez, vous réglez, s'il vous plaît. Signez. Oui, je vais lui dire de régler tout. Vous en faites pas. Alors, c'est comment que je signe? Attendez. Moussa et Mbami. Bla. Bon. Allez, il faudra que j'aille à la plage, là. Ah, là, vous avez pas signé, là. Attendez, le stylo. Mais c'est quoi ce stylo qui marche pas, là? C'est quoi ce stylo de merde? Ça marche pas la pitié! Là, à mon avis, vous allez le détruire. Hein. Oui, c'est bon. Donnez un autre stylo, je vais régler. Oh, c'est bon. C'est pas contrôlé, désolé. J'étais en train de travailler les muscles et tout. C'est le muscle. C'est quoi le muscle pour voir la facture? Mais le muscle pour voir la facture est validé. En gros, je refais la même scène, la même chose et je me barre. Ah, c'est bon, c'est ça là? Allez, c'est ici, ça. Voilà. Vous savez, tant que vous signez pas là où il faut, vous êtes prêt de sortir. F4. Ah, ça fait. Vous avez aucune animation, mais c'est quoi ces trucs de merde? Oh, vous signez ou pas?
F7. Les MISC! Y, vos poches vous concernant, vos factures. Ah oui. Voilà, c'est bon. Putain, Y, c'était Y la touche, les mecs. Mais, attendez là, c'est quoi là? C'est le PIB de la Côte d'Ivoire ou quoi là? Là, c'est quoi ça, ce montant là? 10 000 dollars c'est pour le vol de véhicule, 5 000 dollars pour le défaut de permis. Donc ça fait 15 000 dollars. Non, non, non et non, on va faire la négociation. C'est pas... Donnez-moi le café là, mettez-moi le café là, on va négocier un peu. Ah, si vous voulez, je peux appeler le commandant et puis vous négociez avec lui. Hein. Appelez tous les gens là, les avocats, les juges, tout, appelez tout, famille, tout. Allez. Il y a un avocat je vais voir s'il est en gratuit, gratuit. Ah, par contre, c'est payant. C'est comment? C'est quoi ce pays là? J'ai un avocat gratuit. Gratuit, je dis. Non, tout est payant ici. Hein. C'est l'Amérique. Hein. 15 000, on va négocier. Quoi, allez, on va couper la part en deux. On va dire 500 dollars, ça fait. Allez, 3 000 francs CFA, c'est bon. Je crois qu'ils nous font ça avec les intérêts, c'est bon. 600 dollars, je paye, c'est bon. Bah, là, vous signez pour 15 000 dollars et puis c'est réglé. Hein. Bon, je vais rajouter. Allez, je vais faire un effort. Je vais mettre 900 dollars, c'est bon. Bon, bah alors du coup, j'ai une mauvaise nouvelle. Au moment où vous signez, vous êtes libre. Si vous signez pas, vous restez dans cette salle jusqu'à ce que vous signez. Voilà. Mais si je signe, je suis engagé de payer. J'ai pas envie. Je fais comment? Je vais faire crédit Cofidis comme ça là, putain. C'est quoi ça? Pour une amende? 15 000 dollars, vous voulez faire en 1h30 si vous travaillez. Monsieur, il y a un facteur que vous oubliez. Je suis noir là. Je suis quoi là? Dis-moi. Je suis quoi là? Il y a plein de noirs en ville et ils arrivent très bien à travailler, hein, c'est pas un problème ça. Et vous savez qu'il y a même une époque où au LSMC, il y avait un médecin qui était super bien payé. Ouais, ouais, il y a même une époque là, vous les noirs, vous les faites couler des bateaux là, vous les ramenez aux États-Unis là, vous les travaillez, vous les giflez, vous les tillez là. C'est quoi là? Ouais, les blancs là. Les messieurs, monsieur, donnez-moi la manger s'il vous plaît, les gens de coton. C'est ça, oui. Bah ça c'était il y a 300 ans, faudrait peut-être évoluer un peu dans son cerveau. Ouais, j'ai vu les films, mais Django, j'ai vu tous les films. C'est les reportages ça là, vous devez regarder. Bon allez, là faut signer ou pas? Monsieur, donnez-moi l'argent, je signe. Mais j'ai même pas d'argent sur moi là, je dois avoir 200 dollars, c'est pas comme ça que vous avez réglé les 15 000. Monsieur, déjà donner 200 dollars, ça payera l'hôtel et à manger. Je vais rester dehors comme ça, comme un chien. Je suis capable de rester en prison, c'est pas grave, au moins vous donnez à manger. J'ai toit chaud, très bon, il fait chaud. Si je signe là, c'est quoi? Je vais te dégager même pas 200 dollars de compensation. Je vais faire quoi dehors là? M'avec fini mon travail. Si je signe là, tu me donnes argent, un peu d'argent pour payer l'hôtel. Ouais, si vous signez, je vous donne 200 dollars. Oui, okay. Oui, c'est bon. D'accord. C'est bon, je signe, mais ça m'engage à rien. Je vais trouver un organisme de crédit là, Cofidis, tout ça, ils vont me payer. Surtout que Cofidis, ils adorent les gens qui sont... Les gens qui sont quoi là? Les gens qui sont quoi là? Bah, qui sont à découvert. Oui, les gens de mon espèce, c'est ça là. Putain, quand on vient dans les HLM. Abidjan. C'est bon ça, là, ça fait le rythme. Ah, j'avoue que ça fait un joli son. Bah voilà. C'est bon. Allez, donnez l'argent là, raboulez les cash. Allez, maintenant on va aller faire la photo pour le casier. C'est quoi les empreintes allez, là? Allez, au niveau du mur, vous faites la photo. Soyez grand, soyez fort, allez faire la photo. Je suis grand. Ah bah je sais, on fait la même taille. C'est Sangor, il m'a dit j'étais grand. Ma maman a dit je suis grand. Bah moi aussi je suis grand. D'accord, j'ai fait tout là, mais donne l'argent avant. J'ai fait un effort là, j'ai payé la facture, tout ça là, on a l'argent. Voilà, je vous donne 100 dollars, je vous donne le reste une fois que vous aurez tout fait. Ah, allez, il est malin, vous allez il est prendre bon, la photo. Bon. Mais toi, tu es malin, toi. Hein. Ça s'appelle être flic. Voilà, parfait. Bougez plus, je prends une photo. Faites un grand sourire. Parfait. Bah voilà, c'est parfait, ça. Alors, vous donnez votre nationalité. Je suis ivoirien. D'accord, ivoirien, parfait. Vous avez un téléphone sur vous? Le téléphone, j'ai carte prépayée. Voilà. J'ai pas le téléphone, non, j'ai pas. Ok, bah je vais vous donner un téléphone, vous allez mettre la carte dedans, vous allez me donner votre numéro. Tu as donné le téléphone là, c'est quoi là? Vous avez des Wiko, c'est nul ça. C'est nul à chier. 06 05 50, le numéro complémentaire, le 69 pour faire un golo golo avec ta femme. J'ai pas de femme malheureusement, j'aimerais bien en avoir une, mais... Putain. Bon, je vous donne le reste de la somme que je vous dois. Et vous me rendez mon téléphone. Non, je garde le téléphone, allez. Vous gardez la somme. C'est bon, allez, c'est bon, deal. Le téléphone, vous êtes chien. Vous pensez qu'un Wiko, ça vaut 100 dollars? Putain, vous êtes obligé. Il y a le crédit là, il y a la 4G, c'est bon. Monsieur, pensez vous connaissez pas le principe. Donner cette donnée et reprendre ses volets. Mon argent, mes 100 dollars là. Votre argent, vous sortez et ensuite je vous le rends. Voilà. Enfin, votre argent.
Le cadeau que je vous ai fait, surtout. Bon. Allez, tenez. Donnez supplément. Il était gentil. Ok. Ouais, j'avoue, vous avez été gentil, je vous donne un peu plus. Je suis vraiment fier de vous, hein. Vous êtes un grand. Oui, mais j'espère ne pas avoir affaire à vos services, là. La détention, j'ai du mal. Allez, ouais. En mal à la liberté. Ah, vous cette êtes libre. odeur, cette odeur de liberté. Vous savez, vous êtes malin, hein. Je pense que vous pouvez même faire flic, à mon avis, ça passe sans souci. Mais c'est comment ça? Flic là, putain, ça les papiers là. Bah, vous avez des papiers, vous avez un visa. Oui, je dois régulariser tout ça là, mais... Flic, c'est bon ça. Bah, merci monsieur, vous êtes monsieur? Alors moi, c'est 87. Enchanté, je m'appelle Moussa Mbami, Moussa. D'accord, monsieur Moussa. Applaudissements les gars pour une fois qu'on a un mec. Nous on veut juste du RP comme ça les mecs hein. C'est des conneries qu'on est là pour troll, faire chier. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Bon maintenant les gars, bon allez on a fini de rigoler les mecs. Code Brécha sur le flic allez hein. Il y va en plus ce con, mais non, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il l'a vraiment fait, mais je rigolais. Mais c'est un grand malade, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il... Mais qu'est-ce qu'il... Mais c'est un grand malade, mais qu'est-ce qu'il fait? Ici se termine la petite session GTA, merci de nous avoir suivis, ciao bon dimanche, n'oubliez pas de follow la chaîne, s'il vous plaît c'est très important, la chaîne YouTube, bientôt les 10 000 abonnés, n'hésitez pas à ce que vous n'avez pas encore fait, lâchez un pouce bleu, laissez un petit commentaire, ça fera plaisir et ciao bon dimanche, merci à tous.